Une fin de saison qui pourrait être exceptionnelle pour cette équipe. Elle sait qu'elle a déjà assuré la montée, maintenant elle n'est plus qu'à une victoire du titre. Alors que le réalisateur vous... Ah, la bonne inspiration sur cette passe. Qui la frappe. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. J'accepte bien ce genre de but, Pierre. Oh oui. Le Paris Saint-Germain qui est devant au tableau d'affichage. Saoul. Interception. Allez, qu'est-ce qu'il va en faire? Et déjà le premier coup de sifflet. Da Silva. Thiago Silva qui s'est vraiment imposé comme l'un des tout meilleurs défenseurs centraux du monde. Il n'y a quand même pas beaucoup de lacunes, hein, c'est un beau joueur. Non, quand il est en forme et qu'il est bien dans sa tête, il est impeccable, il est très appliqué, bien placé, serein, jeu de tête superbe. Puis en attaque, il est capable de marquer des buts. Hein. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah non, cette frappe qui passe largement au-dessus. Et donc, qui permet à cette équipe de faire la différence pour le moment. On le revoit. Mbappé. La passe de Verratti qui est interceptée. Kylian Mbappé. Ah, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Neymar. Attention Neymar, attention Neymar. Ouais, bien présent le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Ouais, beaucoup trop loin pour espérer surprendre le gardien. Ouais, bien servi Antoine Griezmann. On trouve Diego Costa. Oh, poteau! Oulala! Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah, le ballon qui semblait cadré et qui finalement heurte le montant. Ouais, ça passe pour cette fois. Le gardien peut souffler et il s'empare du ballon tranquillement. Adrien Rabiot. Stefan Savic. Philippe Luis. Antoine Griezmann. Gabi. Ah, il y a tout le couloir là pour l'Atlético. Attention pour son partenaire au premier. Ah ouais, l'énorme parade du gardien. Ah, elle est belle, le gardien a réagi à une vitesse supersonique, il fallait le faire. Adrien Rabiot mis sous pression, c'est une situation dangereuse. La chevauchée de Neymar. Allez, occasion, occasion pour Neymar. Très belle chevauchée, même s'il n'a pas trouvé le chemin du filet à l'arrivée. Ah, j'y ai cru pourtant, belle action. Stefan Savic. Gabi. Ah non, le ballon est perdu. Saoul. Allez, qui va reprendre ce ballon. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Coup franc contre l'Atlético. Antoine Griezmann. Diego Costa. Très facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Gabi. Sao choisit la frappe. Non, c'est contré. Ballon intercepté par Diego Godin. Et la frappe de Diego Costa. Oh, c'est juste à côté. Ah, mais le défenseur est bien revenu. Je suis obligé, le tireur a précipité son geste.
Martinez surgit et intercepte. Adrien Rabiot. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Il faut siffler contre l'Atlético Madrid. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Ça va être compliqué. Ouais, il a failli perdre l'équilibre. Le joueur du Paris Saint-Germain commet la faute. Philippe Luis. Il transmet à Coquet sur l'aile. Gabi. Saoul. Une frappe lointaine. Pourquoi pas. Oh, il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Edinson Cavani. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. L'Atlético Madrid qui doit se contenter du nul, sans but pour le moment. Gabi. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Il y avait peut-être une faute, mais coup franc contre l'Atlético. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Ok. On s'approche du but. Philippe Luis, pas mal ce centre. Et la voilà la frappe. Edin. Gabi. Mbappé, les Parisiens qui vont. Oui, il y avait un. Oh, ça c'est bon pour Cavani. Oh, le ballon qui s'écrase sur la barre. Non, le gardien qui est soulagé. Hein. Il a eu vraiment un gros coup de chance là-dessus. Ouais, t'as raison, je le vois souffler. Le ballon a heurté le montant, mais finalement, il a pu s'en saisir. Ouais, la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien. Il va essayer de relancer vite. Ouais, la frappe. Oh, c'est à côté. Oh, c'est pas passé loin. Ouais. Une occasion nette qui s'envole. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. De retour ici à Madrid, au Wanda Metropolitano, pour la deuxième période de cette rencontre. Ça part bien, action dangereuse. Allez, dans la... C'est le PSG qui est sanctionné sur ce coup. Ça peut être l'égalisation sur ce coup. Et le but. Ah, ce but est important. Il les relance dans ce match. Et donc dans la course au titre, Pierre. Ah, mais pour l'instant, c'est pas suffisant. Et avec cette égalisation, tout est bien sûr relancé. Le PSG qui va faire un changement. Et ils égalisent donc un but partout. Alain Pastore. Mbappé. Une faute sifflée contre l'Atlético Madrid. Cavani. L'attaque enrayée.
Philippe Luis. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Diego Costa. Choisit la frappe. Vous avez bien l'intention de faire la différence, mais c'est raté pour ce coup-ci. Marquinhos. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. On est bien joué dans l'espace de la Kliesban. C'est une balle de but, ça. Oh non. Oh, il n'y avait plus que le gardien effacé. Ouais, il s'est un peu désuni au moment de la frappe. Ça manque de concentration, ça. Attention à Diego Costa. Oh oui, il y est. Les joueurs qui sont en train d'aller la chercher, cette montée. Et ils ne veulent pas attendre plus longtemps. Ils la veulent aujourd'hui. Ah, ils peuvent se rassurer et c'est bien parti pour ce soir aujourd'hui. Oh, quelle erreur. Mais quelle erreur. Ouais, c'est pas terrible. Hein. On se demande ce qui lui est passé par la tête. Le PSG qui menait au score. Mbappé. Oh, c'est bien donné, ça. Cavani, ça peut donner quelque chose. Et là, il contre ce centre. Attention à cette perte de balle au milieu. La chevauchée de Neymar. On a le Correa. Diego Costa. Il y a de la place là pour l'Atlético. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oh, le bon ballon pour Griezmann. Et encore le gardien qui ne relâche pas ce ballon. Vasco. Allez, on redouble les passes. Ah, elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Ça n'ira pas plus loin. Cavani. Edinson Cavani. Dont on apprend Cavani. Ça peut donner quelque chose. Et le tir d'Edinson Cavani. Oh, la transverse. Ouais, la bonne intervention du gardien qui sauve son équipe sur cette occasion. Oui, ce ballon-là, c'est vraiment le gardien qui sort parce que c'était plutôt bien joué en face. Un changement normal après tout. Ce n'est pas à eux de faire le jeu maintenant. Attention, ce corner de Neymar. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. La défense de Verratti, le bon ballon en profondeur. C'est pour cadre et de bleu. Et bien joué la récupération de Neymar. Griezmann, il va devenir dangereux. La défense qui est à la tombée du ballon, mais le danger reste imminent. Antonio Rabiot, ballon pour Neymar sur l'aile. Ouais, bon, ça n'ira pas plus loin. Diego Godin, Vitolo. Griezmann. Antoine Griezmann qui frappe. Et corner. Allez, pour faire le break, pourquoi pas. Et clairement, ils vont tenter de verrouiller, de tout blinder maintenant. Excellent corner à frapper. Vitolo. Ouais, bon arrêt sur cette tête. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Ah, la passe en profondeur, attention. Un duel pour la récupération du ballon. Pereira Carrasco. Yannick Carrasco, oui, le bon ballon dans l'intervalle, attention. Griezmann, c'est une balle de but, ça. Ah, c'est pas passé, hein. Énorme occasion. C'était bien défait du marquage, mais il est un petit peu dans son dernier geste. Et Marquinhos surgit et intercepte. Pereira Carrasco, on s'approche de la zone de vérité. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Attention à l'éventuelle contre-attaque. Edinson Cavani. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Ok. Antoine Griezmann. Avec OK, bien centré ça. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Oh là là, quel manqué, mais
Ah, il en a sûrement mis des plus compliqués à l'entraînement, mais alors là... C'est clair, qu'est-ce qu'elle est moche cette tête. Ah, c'est bien ce qu'ils font, ces joueurs, c'est bien. Avec ce but à quelques minutes de la fin, ils assurent la montée. Attention, ça peut être dangereux. Il y a un gars qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Diego Costa qui tire. Un joueur qui a confondu vitesse et précipitation sur le coup. Bah, c'est vrai qu'il vient de gâcher une très belle occasion et avec un peu plus de lucidité, il aurait peut-être au moins cadré sa frappe. Plus que 7 minutes à jouer dans cette rencontre. La chevauchée de Neymar. Ouais, Neymar, superbe ballon dans l'intervalle, attention. Oh, au centre peut-être. Ouais, quelqu'un pour reprendre ce ballon peut-être. L'arbitre qui laisse l'avantage pour l'Atlético. Oh, qu'il est important ce ballon, oh, qu'il est important. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ah non, le ballon est perdu. Très bonne intervention, bien vu, c'est pas terminé. Attention à cette équipe qui compterait deux buts d'avance hein, si elle venait à marquer sur ce corner. Allez, le corner de Coqui, Thomas. Oh, ça passe juste au-dessus. Très bien joué cette tête. Hein. Franchement, bien. Pereira Carrasco. Il s'avance vers la surface. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. Une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Diego Costa. Griezmann. Ah oui, il le met. Et un nouveau but qui fait chavirer les supporters dans les tribunes. Maintenant, c'est quasiment sûr. Ce sont eux les futurs champions. C'est en train de tourner au cauchemar pour le gardien. Il n'est pas vraiment dans un bon jour. Il va falloir faire quelque chose assez rapidement parce que je crois qu'en face, ils ont bien compris que le gardien était à la rue. Avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. On va rester là dans ce match. C'est terminé. Le coup de sifflet final de l'arbitre. Les joueurs, le capitaine en premier va pouvoir brandir la coupe, la petite cérémonie qui va bien. Oui, on sent que c'est une joie très mesurée, très professionnelle. Hein. On voit que c'est quand même pas non plus l'événement du siècle pour ce club. C'est pas la finale de la Coupe du Monde non plus. Quoi, hein. Allez, attention, enfin, il y en a qui manquent de pudeur parfois. Mais... on sent qu'ils ont gagné une coupette et qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Allez, ils vont brandir le trophée dans un instant. Devant un supporter quand même, ça reste un titre, c'est important. Il y a un plan carton. Hein. Ouais, deux pauvres poignons en aglo et en avant d'un an. Allez, il va y avoir la photo souvenir, Pierre. Voilà. Il faut être bien placé sur la photo là, si possible. Voilà, ce qu'on prend de vous, tu la retrouveras dans le salon. Ceux qui ont de la dérision, tu la retrouveras dans les toilettes. Et moi, je pensais sur la photo, celui qui est derrière, on le verra pas. Ouais. Alors, la bonne inspiration sur cette...